Bref, octobre 2011, fin du TD, je venais de prendre ma décision, monter une liste BDE pour être presse du cercle 2012. J'avais déjà le nom de la liste, la Parasol. Du coup, je me suis lancé pour créer ma liste. Je savais que Vice-Bob et Gwenny étaient chauds aussi. On en a parlé et ils sont devenus mes vice-presses. Hey, en fait, on est vice-presse. Il y a Anaïs, hein, parce qu'elle écrit bien et puis moi je prends tous mes cours là-dessus. On a pris la voiture et on est allé à CDV. J'ai vu ses comptes rendus, je l'ai engagé. T'as la place. Je prends. Ensuite, je suis retourné à l'ANSMA, et là, j'ai croisé Doudou. Il vient me voir et il me fait « Salut, paraît que tu montes une liste ?» Je le regarde et je lui réponds. « Je te propose un Respo Club. Ça me va. » Pendant ce temps-là, Vice-Bob est allé au car pour boire une bière. Et au bar, il y avait Mickey qui avait pris quelques bières en même temps. Attendez notre Respo Car. En allant à Gemini, d'ailleurs, j'ai croisé Gader et Anaïs qui m'ont rappelé qu'elles avaient organisé une raclette pour ce soir-là. Je me suis dit qu'elles feraient de bonnes respo événements et j'aurais proposé le poste. Elles ont accepté. En fait, c'est qui gère le budget de la raclette? Ouais, c'est toi, on allait faire les courses à Auchan. Lui, c'est mon 13. À Gemini, ça s'agitait un peu. Il y avait Geoff et Benji qui aménageaient à Mezzanine pour la raclette. Si jamais un jour t'as besoin de respo tech, t'es sur nous. Eh bien, soit. Ils ont même leur ange gardien. Hey, je peux ramener ma salade niçoise? Ça me dirait bien d'en bouffer un peu. Ah, à toi, ce sera mon respo salade niçoise. Venez comme vous êtes. En passant devant la 306, j'ai vu Jean-Jean et j'ai entendu le numéro 26 qui parlait anglais au téléphone. Incroyable. 26 PM, that will be my goodbye. Mais non, pas comme ça. Là, t'as pas la com' d'enfant. Change la police. Ouais. Mets de la couleur. Agrandis tes. C'est bon, j'ai mon respo quoi. En rejoignant le couloir, j'ai pensé qu'il me manquait des respo soirées. D'ailleurs, je l'ai pensé tellement fort que je l'ai dit. Il faut des respo soirées. Au fait, y'a Coco qui prépare l'after pour après la raclette. Je suis allé le voir. En chemin, j'ai croisé Marion. Elle était surmotivée pour rentrer dans la sauce. Elle est pas du genre à l'after et elle mangeait des pains. Je l'ai regardé, elle m'a regardé, je l'ai regardé, elle m'a regardé, les petits pains nous ont regardé. Je vais donc proposer, n'est-ce pas, petit pain? Pain bois. Je suis arrivé à Olia et je suis monté au dernier étage. J'entendais déjà les bruits de basse. Je suis rentré dans la 2506 et il y avait une sacrée ambiance. Il y a Lolo qui prend des photos. Coco préparait des cocktails. Il y a Para qui mixait. Et Pipi qui dansait. Eux, ce sont mes respos soirées. Et Pedro faisait les comptes de l'alcool. J'ai trouvé le stress idéal. 13, vice 13, 13, Respo Club, Respo Car, Respo Événement, 13, vice 13, Respo Tech, Respo Tech, Respo Salami Soir, Respo Sponsor, Respo Com, Respo Petit, Respo Photo, Respo Soirée. J'ai tout ce qu'il faut. Bref, ma part à s'aider. Ça va bien se passer.